Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Trois camps politiques qui montent là par rapport à la Constitution. Premier camp, c'est ou même qui voulait changer le système là. Démocratiquement ou paré pour aller voter pour changer le système. Il y a des gens qui ont des intérêts personnels, qui paré pour aller voter non. Et ma bon qui est sûr. Si vous êtes qui est sénateur de la République, qui te recevoir 17 chèques chaque mois dans l'État, chèque salaire, chèque pour téléphone, chèque pour sécurité, chèque pour consultant, chèque pour la ville, chèque pour machine, chèque pour costume, si vous êtes sénateur, vous avez bénéficié du système. Non seulement vous avez fait 17 chèques salaire. On va menacer le ministre toute la journée, on va payer au vote de non-confiance. Si on va payer autant, on va le faire, convocation pour révoquer. Ou te contre le cob là, on va prendre le nom bourgeois pour qu'il y ait l'électricité à janvier, pour qu'il y ait route là en janvier, pour qu'il y ait j'ai exploité le peuple là dans Gaza en janvier. Elle dit qu'on est qui a un avantage comme sénateur. On va faire à peu près qui ça 6, 7, 8 millions de gouttes par mois. On va laguer ça comme ça. Un sénateur fait entre 6 et 10 millions de gouttes par mois. C'est un intérêt personnel, que des nègres là, nègres ont une frustration parce que nègres ont été dans l'ouest, ils font l'autre 6 ans, côté, ils ont fait entre 6 et 10 millions de gouttes par mois. On pense que nègres là-bas quitter ça aller. On pense que nègres là-bas quitter aller, c'est 6 à 10 millions de gouttes par mois, le déconseil. Et puis l'autre sénateur, à cause du système que la Constitution 87 l'a mette, ou presque qu'il y a plus de pouvoir par son président, hein, comme sénateur de la République. Et puis vous ne pouvez pas compte pour personne, non. Ou un nègre, je me fais déclaration patrimoniaux. Donc, avec dit que. Nèg qui met système yo, a dit sénateur te kon basé. Bon bon, ou sénateur ou nan gang, y a audition qui fait dans sénat qui identifie sénateur qui nan gang. Nèg a kembe immunité parlementaire ou pa ka manyen. Audition fait dans sénat des sénateurs qui nan cocaïne ou pa ka manyen. L'autre jour là, pè français ou kidnappé a, c'est ancien sécurité, un sénateur de l'Ouest. Gang 400 Marozoa, c'est sécurité, un ancien sénateur de l'Ouest qui sécurité monsieur qui monte gang 400 Marozoa. Qui a kidnappé l'église catholique ou bien pasteur dans dit qu'il y a la tri et ou même qui a frappé. Et pour gagner immunité, personne pas comme moi, ou t'as le système à changer. Ou même, captain de m'la, ou comme ça, ça veut dire la souveraineté nationale. Souveraineté nationale, pays d'Haïti, chita ça, dans sa relé, l'universalité des citoyens. Universalité citoyen, li exprimé à travers une grande bagaille principale, le droit de vote. C'est la souveraineté nationale là. Les ou même ou à l'exercer droit de vote ou c'est l'expression de la souveraineté nationale. Mais vous pas voulez que c'est ou même qui a fait expression souveraineté nationale là. Mais vous pas voulez ça. Mais vous pas voulez que c'est ou qui l'expression de la souveraineté nationale. C'est ou pour le voter pour déterminer qu'on veut constitution ou bien sous pas voulez. C'est ou pour le voter pour déterminer ce qui président qu'on veut. L'expression de la souveraineté nationale à travers le vote, mais vous pas voulez. Mais vous voulez c'est dans Mariotte pour nek chita, 80 nek chita dans Mariotte, dans l'hôtel Port-au-Prince, 80 nek ça a décidé, ou même comme citoyen, dans la section communale, dans la commune, dans le département et dans la diaspora Koya, c'est pas où qui doit déterminer la souveraineté nationale de l'IA. C'est vous-même, la minorité, mettre du système yo. Sénateur avec bourgeois qui c'est patron yo. Bourgeois qui est sénateur comme reste avec yo. C'est yo. Donc, les constitutions, la nouvelle constitution, ça a vint changer le système non. C'est intérêt système dans le jeu. Faut pas saisir pour ouais, n'est qu'à faire violence, menace violence. Si n'est qu'il y a terrain mon comme ça, ou même comme peuple, n'est qu'il y a fort confiance. Si n'est qu'il y a remon comme peuple, y'a remé nous comme pays, pour nous avoir fort confiance qui doit voter. Ou nous avons menace violence qui a fait dans la radio. Tendez bien, oui, mamie, ou même capitaine de la papi. Tendez bien. Mettre pays à pico pouvoir pays à, c'est ou même à travers bulletin de vote, c'est pico pouvoir qu'on aille. Si nèg yo di y a goumen pour ou, y a goumen pour pays. Moi dans ton léger pour une série pour 10 nèg à manchette a fait menace dans les organes. Comme si 10 nèg à manchette ka fait nèg paix. Bras à rouge pas de faire peuple la paix. Te gen 400 000 VSN 7 février 86 privé quand même. Malgré 400 000 VSN qui te gen dans pays, nèg yo pense yo ka fait peur ou même jodi a. Nèg yo vle a fait menace à manchette pour être un grain bagay. Parce que la constitution bon droit pour voter, ou voulez servir à droit ça pour dire oui ou non. Oui, je suis d'accord, non, pas d'accord. Oui, je suis d'accord avec le système, non,
Non, m'a kembe système qui là, oui, m'a changé système qui là. Pour ça n'est pas faire confiance, pour ça n'est pas bilan de votre toi. Ne qu'on yo c'est démocrate oui. Moi dans ton léger fait menace mon cher. Moi Jean-Charles a fait menace, on est qui veut le président. Sauve le président tout bon. Ne qu'on c'est bilan de votre peuple là pour faire pour filer peuple là, pour montrer peuple là qu'on rien même. Pour moi des peuple là voter pour vous parce qu'on bel plan qui a changé la ville. C'est une menace violence qui est vraiment des peuples voter pour. Donc ça où est là dans ces semaines qui se passent là, c'est parce que c'est l'expression, là où un docteur a fait diagnostic et conseil de symptômes, c'est moi ça. Conseil de symptômes que docteur a ouais qui permet lui ouais qui maladie, symptômes qui sont. Moi-même pour moi-même ça crie les semaines ça. Symptômes politiques que moi a, c'est que nèg yo gen tan ouais ou perdu débat politique, un peuple a veut changer système non. Le problème ça que nèg yo gen bourgeois volé avec sénateur qui reste avec eux, mais que ouais, ou perdu débat politique là, y a aucun temps perdu, et ça crivé là. Débat politique là, y a aucun temps perdu, le peuple là sous nouveau constitution, et c'est ça le problème nèg yo. Comme mon sénateur, l'offre prend sénat au bas du journée la matière fécale, l'offre Ricard Pierre, Evalier Beauplan, Nenel Cassicato, nous est vidéo disponible là, sous Télé Guinée, sur YouTube, nèg yo cap craser bureau sénat, comme si ou pas d'accord que éliminer sénat. Sondage fait oui. Il y a 4 sondages qui fait, oui. Il y a un qui c'est 89%, il y a un qui c'est 92%, l'autre là est 93%. Tous les 3 sondages ont montré presque à 90% le peuple a d'accord à l'élimination Sénat. Mais raison qui fait le peuple a d'accord à l'élimination Sénat. Dès qu'on sait même nèg yo créé encore, qui fait que le peuple a demandé l'élimination Sénat. Le peuple a gardé une série de nèg a fait 8 à 10 millions de gouttes par mois. Il n'y a pas réglé rien pour le peuple, il n'y a pas voté loi. Il n'y a pas ratifié ou bien rejeté un gouvernement. Toute sa constitution mettez pour yon faire jamais faire. Le peuple a gardé, il y a un sénateur dans le tiré, sénateur dans le gang, sénateur dans toute vieille bagaille qu'on a imaginé. Le peuple a dit éliminer le Sénat. Et puis, les douanes de Goulia, qui finit créer les conditions pour éliminer le Sénat, n'a fait menace violence. De ton léger, qui finit faire ça le faire avec prisonniers pénitentiaires nationaux, oui. De ton léger, qui finit courir, quitter Jacques Mel, dans les conditions qu'il connaît, qu'on connaît qu'il finit faire société à menace Goulia. Pour André Michel Bouban Nexayo. Et moi, je comprends pour qui ça n'est pas peur, ou même capitaine de la Marotou, dans l'élection présidentielle 2015-2016. Non. André Michel va faire 3 votes par section communale comme candidat à la présidence. Dans l'élection 2016-2017, côté là, aller comme candidat et au Sénat pour le département de l'Ouest, pour RDNP. Même top à l'Emmane Kaline sur 1240 votes. Mais il ne va pas faire confiance, parce qu'on connaît, on va voter. La journée de l'union des leaders femmes haïtiennes pour l'égalité des droits humains. En effet, le 25 novembre 2020, lors d'une rencontre dans le cadre d'un projet lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, 25 organisations de femmes ont décidé de s'unir pour combattre les VBG et les inégalités de genre. Aujourd'hui, 30 mai 2021, près de 300 organisations, plateformes et autres fédérations de femmes ont rejoint la FEDOFEN, Fédération des organisations de femmes pour l'égalité des droits humains. FEDOFED est une fédération qui a déjà une représentation nationale, avec des organisations de femmes à travers les 146 communes du pays. On se demande, pourquoi une nouvelle fédération? Mais la FEDOFED n'est pas une nouvelle fédération en plus. C'est LA fédération qui va rassembler toutes les organisations de femmes à travers le pays pour mieux adresser leurs problèmes. La FEDOFED va travailler en étroite collaboration avec toutes les structures nationales et internationales, les institutions étatiques, pour s'assurer que les droits des femmes sont toujours pris en compte, que le principe de parité est respecté. En période électorale, la FEDOFED sera là. En période de crise, elle sera là. La FEDOFED est la réponse aux prières des femmes seules, victimes, marginalisées. Nos différentes coordonnatrices départementales sont motivées. Et très bientôt, sur la page Facebook de la FEDOFED Haïti, vous verrez la cartographie des organisations membres de la FEDOFED et leur numéro de contact. À partir d'aujourd'hui, les femmes seront une force sûre de la nation. On ne se bat pas contre les hommes, mais on va travailler avec eux pour le développement du pays, pour restaurer la paix, pour éliminer la violence sous toutes ses formes, éliminer la pauvreté en valorisant nos jeunes, en les protégeant, en faisant la promotion de l'agriculture, de la santé, de la justice, en se battant pour un environnement sain. La FEDOFED voit le jour parce que les femmes décident de ne plus être victimes. On ne veut plus être spectatrice, mais actrice. On veut la sécurité sociale, sanitaire et économique. On va mettre notre dynamisme, notre capacité multitâche de gestionnaire au service du pays pour l'éradication de la pauvreté.
de la violence, de l'inégalité sous toutes ses formes, pour stopper la propagation du VIH et atteindre les 3,95. La Fédération des organisations de femmes pour l'égalité des droits humains en Haïti aujourd'hui, la FOSEF a été présente à côté de REF Haïti pendant les premiers pas de la FEDOFED. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est le lancement officiel. Dans ce sens, la FOSEF voudrait souhaiter la bienvenue à tous les membres de FEDOFED et leur confirmer que la FOSEF sera à leur côté dans leur lutte pour l'égalité des droits des femmes en Haïti. Il faut dire que la FEDOFED a un mandat qui répond directement aux objectifs de développement durable, les ODD, et particulièrement l'objectif 5, qui est l'objectif en rapport avec l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Dans ce sens, je pense que la FEDOFED a un gros mandat entre les mains, et je voudrais confirmer pour la FEDOFED que la FOSREF, en tant qu'organisation qui travaille également avec les femmes et qui travaille dans le domaine de la prévention du traitement du VIH-SIDA, sera à côté de la FEDOFED. Et également, comme président du Forum de la société civile pour la lutte contre le VIH-SIDA et la tuberculose, le Forum est également à côté de la FEDOFED pour réaliser ses mandats. Ce parti politique est reconnu sous le nom de Plateforme nationale secteur populaire haïtien, PLANSPAC. L'événement d'aujourd'hui est déroulé dans un contexte très symbolique. Et le parti PLANSPA en profite pour transmettre les vœux les plus chaleureux à tous les mamans d'Haïti. Dans l'occasion ça, qui marque commémoration fête Maman Yo, PLANSPA a profité d'exprimer solidarité à toutes mamans dans le monde, là, notamment mamans qui vivent en Haïti, qui fait face à toute qualité de problèmes, tant que insécurité, chômage, violence, santé et climat, qui c'est résultat de mauvaise gouvernance, pays à connaître plus passé 35 ans. Parti politique PLANSPA a demandé pour l'État haïtien, pour un bon jamaisi, pour arriver à améliorer les conditions de la vie de tout haïtien, principalement maman yo. L'instant a profité de l'occasion de sa tour pour demander à toutes les femmes de rejoindre dans quatre batailles menées pour accoucher dans l'autre l'État. Dans l'État qui doit tout le monde, dans l'État qui doit attendre tout le monde, dans l'État qui doit protéger et servir tout le monde. Normalement, l'amour fait une seule avec souffrance pour la vie qu'a jamais. Non, maman, l'amour marié avec sacrifice pour la vie qui a grandi. Non, maman, l'amour parfois c'est grand goût, c'est réel pour la vie pas mourir. C'est mon saillot qui vient dans la bouche moi pour me décrire sens l'amour maman gagne pour petite li. Et c'est avec mon saillot. Moi souhaite toute maman qui présent dans salle là. Toute maman en Haïti. Maman haïtien qui tout côté dans monde là. Ak maman nous qui c'est Haïti chéri, nous souhaite une bonne fête. C'est même sens l'amour ça qui réunit la jodia. Parce que c'est l'amour qui a fini avec violence sous femme actifie. L'amour pour la justice, l'amour pour une cause qui juste, l'amour contre ça qui mal. L'amour c'est respect pour monde, l'amour c'est respect dignité monde. Violence sous femme détruit rêve, craser l'espoir. Tochonin avenir. Pour ça suspendre, il faut gagner bon gens coude à coude. C'est ça qui fait jeudi, sous une même table, nous joignons FEDOFED, FOSREF, Université Georgetown et Réseau Haïtien Journaliste
pour la santé RAJS. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.